dit tout le monde bonsoir, puis quelle information nous avons pour nous développer pour après-midi dans journal ça. Bandi Axam détourné hier trois bus avec passagers sous route Beder Kwadebouke selon président APCH Change Meyi qui lance une autre fois encore un autre appel pour demander autorité de dire un mot. Autorité qui pourquoi j'aime dit rien deux semaines après Bandi Axam qui sorti dans village de Dieu occupé attaqué puis occupé par la justice Port-au-Prince côté tout dossier dans main gagne yo boulé gagne yo saisi gagne tout des matériels qui pour tribunal là yo vend mais jusqu'à présent commissaire gouvernement attend une réponse dans la police qui pour accompagner pour la faire un constat rien pour qu'on fait jusqu'à un moment on a parlé là deux semaines exactement jour pour jour. Pendant ce temps-là, Fok nous dit qu'il y a plusieurs activités et plusieurs manœuvres politiques qui ont fait sous terrain. Il y a premier ministre gouvernement de facto qui a élargi quatre consultations, semble livrer sorti dans huit clos jusqu'à présent à Komondana. Comme ça, il était recevoir jeudi à plusieurs associations, la DED association patronale, association professionnelle, tant qu'on NMH ami. Mais tout, Ariel Henry, tu recevoir association banque professionnelle, même j'entends association médicale haïtienne, dans ça qui semblait une vaste consultation li lancé. Il y a une question insécurité à, et quand elle déclarait, li pas ta remé, n'a pas cité ouais soldat étranger, puis les sols pays d'Haïti, une autre fois encore. Famille Lavalas, bon côté parle, yon parti dans organisation politique ça pas caché, yon même yon vle, et pour leader yon après recevoir de visite de personnalité, yon pote qui capable distribuer pouvoir pour Jean-Bertrand Aristide, yon dit qui candidat pour poste président provisoire, d'ailleurs, yon font première manifestation, yon gon deuxième, yon prévoit pral bout devant pas pote le dimanche, yon même annoncé la présent pour recevoir manifestant yon, et parti politique liant. Après pour les manifestations, il apparaît une note pour appuyer, pour mobilisation faite à travers le pays. Mais en même temps, il y a un porte-parole parti à Jotson Diogène, dans l'interview de Radio Kiskeya, qui fait connaître famille Lavalas, qui est dans la tête de Jean-Bertrand Aristide, pas besoin d'arriver dans la tête de l'État pour faire dirigeant transition parti. Cependant, paraît pour n'a cité pour accompagner la population. Dans la revendication, nous selon et porte-parole là, M. Diogène, fait qu'on est famille Lavalas, pas besoin, n'a pas cité encore, c'est un blanc qui pour bali pouvoir. Alors que pendant deux semaines, ça, plusieurs partisans Jean-Bertrand Aristide, d'accord, pour venir président provisoire dans le cadre d'un accord avec blanc. Vent panique quand est soufflé dans le tribunal section sud de Port-au-Prince hier, désormais, qu'on y appelle au peuple, appelle aux bandits, venir aux âmes. D'après information Radio Kiskeya arrivé jeune et greffier en chef tribunal là Jean Smith Angelin qui parlait à Radio Kiskeya et fait connait deux avocats qui étaient vestis mais la troublaille te fait une rumeur courir comme quoi gen bandi k'ap vinn prendre tribunal là d'assaut s'entendait so, à tout le monde te gen kè sou biscuit et puis gen rien te gen temps et retirer koy. L'autre point, cérémonie signature accord entre gouvernement de facto à Banque mondiale, on a fait de 120 millions de dollars pour projet et construction route. C'était une occasion, ministre travaux publics en était présent pour te prendre la parole à par ministre économie et finance, non? Et Michel Patrick Boisvert et te gain ingénieur Rosemont Pradel qui te parlé dans occasion ça sous et l'agence. Et puis l'école là pour ouvrir 5 septembre qui a venu là, c'est ça Nespi Maniga annoncé. Alors que les parents jusqu'à présent qui pourquoi capable prendre carnet petit yo dans l'école. Dans actualité internationale là, gros point qui domine qui provoque réaction non seulement dans pays États-Unis, mais tout dans pays étranger tant que dans pays la France, la Cour suprême pays États-Unis révoqué droit femme yo te gagne dans toute fédération américaine là pour te faire avortement. C'est une catastrophe pour droit femme yo et d'après déclaration plusieurs organisations qui a défendre droit mesdames yo, d'après président Biden, d'après ancien président Barack Obama et fait connait bataille là pas fini.
et alors que ancien vice-président Mike Pence bat bravo la contentement et ancien président américain Donald Trump dit c'est volonté bon Dieu donc États-Unis fond en deux sous décision ça coup sur coup c'est deux et coup la Cour suprême non conservateur dominé bail semaine ça hier yo te vin ordonné et moun ki doit porter zam nan état New York jusqu'à présent te gagné yon loi qui te épargné et New York yo pas de gen autorisation porter zam nan la rue. Ces informations ça yo ak en pilote. Nous va gagner pour développer pour après-midi à dans journal ça. Journal 4A